Les réactions au revirement de la position espagnole vis-à-vis de la question du Sahara marocain se poursuivent. L'ancien président du gouvernement espagnol, Felipe González, estime que l'initiative marocaine d'autonomie, soutenue par le gouvernement de son pays, est, je cite, « la seule proposition qui offre une solution négociée au conflit du Sahara dans le cadre des Nations Unies », selon ses mots. L'ancien chef du gouvernement espagnol dit avoir suivi le processus pour résoudre la question du Sahara depuis 1991. Il se dit convaincu de la pertinence du plan d'autonomie marocain pour mettre fin à ce différend qui n'a que trop duré. Rappelant que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné dans un message adressé au roi Mohamed VI que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain.